Babette, je vais te demander un truc. Ouais. Dis-moi, chérie, est-ce que t'as déjà simulé? Non, jamais. Enfin, pas avec toi. Pourquoi tu demandes ça? Non, je sais pas, c'est un truc que je me demandais ce matin et... Voilà, c'est bon. Hop. Et toi, t'as déjà simulé? En chambre, tu veux dire? Bah oui, en chambre, pas aux toilettes. En chambre, non, jamais. En cuisine, oui. En cuisine? Ça veut dire quoi, simuler en cuisine? J'ai jamais été fan de ta blanquette et j'ai toujours simulé quand tu nous as fait de la blanquette. Tu sais, à table, quand je fais « Ah, oh, chérie, vraiment, je me régale avec ta blanquette. J'adore ta blanquette, chérie. » Ben là, je le simule. Voilà. Bonne journée. Ça fait 20 ans que je fais de la blanquette. Ah, enfin, ma chérie. Bonsoir, mon trésor. Ah oui, c'est vrai qu'elle est là, celle-là. Ah, quel bonheur d'être enfin tous ensemble à la fraîche. Ah. Entre couilles. Vous m'avez manqué, Michel. Ça, vous savez recevoir. Une bonne pizza, de la bonne bibine. C'est chaleureux, c'est familial, c'est... tout ce que... Gisèle, chérie. J'ai mis un petit truc dans son apéro. Ah oui, je sais, mais bon, moi, j'étais crevée, j'avais envie de passer une petite soirée tranquille. Oh, ma Babette, t'es un génie. Dis-moi, je peux t'épouser une deuxième fois? Après les quatre fromages, alors? Ok, viens là. Allez. Poussez-vous, Gisèle. Ah. Viens là, chérie. On est bien. Exactement. Ah oui, mais le paquet quand même. Alors hein? Bon Babette, c'est quoi cette merveille que tu nous as préparée? Une blanquette. Ah bah attends, excuse-moi, hein, étant donné les nombreuses remarques désobligeantes envers ma blanquette, je l'ai revisitée. Ah oui, mais là, j'ai pas... Voilà. Oh, dis donc. Oh, c'est divin. C'est bon, Babette. Mais déboîte ta blanquette, maman. Tu sais quoi, Babette? Tu m'aurais fait ça. Au début de notre histoire, je t'aurais posé les yeux fermés. Oh, dis donc, je me régale. Tu sais que c'est machiavélique, hein. Avec une blanquette comme ça, tu pourrais me demander n'importe quoi. N'importe quoi? Bah écoute, ça tombe bien parce que c'est la recette de maman. En fait, elle osait pas te demander de venir passer quelques jours à la maison. Elle a eu un dégât des eaux dans son immeuble. T'as des boîtes, hein. Allez, tiens, je te resserre. Non, c'est bon. Ah, si. Non, mais y a pas un petit goût rance derrière? Non. Toi aussi, chérie, t'en veux un peu? Voilà.